les Allemands l'ont fait descendre les escaliers de sa cave. Ils lui ont frappé sur l'épaule, il s'est retourné, il lui a donné une balle dans la bouche. J'étais béni parce que j'avais mis le drap blanc de mon bébé avec une broche de sapin. Je me rendais. On avait toujours des croiserons avec un drap blanc. Nous savions tout respirer, tout était coupé, n'est-ce pas? La voûte descendait. C'était fini, enfin. Pour nous, c'était fini. Et le est tombé dans le corridor et Mademoiselle Collard un peu plus loin. Et elle crie, « Maman, j'y suis, Jésus-Marie. » December 44. Vanaf de 16e zaten de Duitsers mee. Er hing een dichte mist over de heuvels en dalen. Duizenden en duizenden Amerikaanse soldaten werden gevangen genomen. Het front was over 130 kilometer doorbroken. En de Duitsers zagen het psychologische effect van een verrassingsaanval niet over het hoofd. De mannen van Skorzeny droegen Amerikaanse uniformen en stichtten zodoende verwarring onder de burgers en militairen. Een twintigtal lukte het tot de Amerikaanse linies door te dringen en daar onrust te zaaien. Op het geallieerde hoofdkwartier werd men zich eindelijk bewust van de situatie. Op 19 december riep generaal Eisenhower in Verdun de Amerikaanse bevelhebbers bijeen. Daaronder waren ook Patton en Bradley. La première décision qu'ils prennent est d'envoyer immédiatement en Ardennes la 101e et la 82e Airborne qui sont au repos à Reims. Mais ils décident aussi d'envoyer en Ardennes quelques 800 000 hommes en renfort, et ce dans des conditions atmosphériques épouvantables. Leur but, consolider le flanc nord et le flanc sud, mais surtout colmater la brèche qui a été faite dans la première armée américaine. Mais le 20 décembre, la percée allemande est tellement importante que tout le secteur commandé par le général Bradley est littéralement coupé en deux. Eisenhower, dès lors, confie au maréchal Montgomery pour une période de 30 jours le commandement des unités américaines isolées dans le nord. En effet, ces unités sont coupées de leur commandement qui lui se trouve à Luxembourg. La bataille a pris des proportions énormes. Aussi, ne pouvons-nous continuer à vous présenter tout ce qui se passe sur l'ensemble du front, partout en même temps. Nous avons choisi pour cette émission de vous présenter ce qui se passe au nord. Et au nord, le fait principal, c'est que les Américains tiennent contre toute attente. Ils tiennent les hauteurs d'Elsenborn, ce qu'on appelle les crêtes d'Elsenborn. L'infanterie américaine tient, mais l'armée allemande est passée. Elle est passée par la trouée de Losheim et continue à passer en flot serré. Rappelez-vous, lors de la dernière émission, nous avons laissé l'avant-garde de l'armée allemande, des SS, devant Stavelot. Cette avant-garde, c'est le Kampfgruppe Peiper, le groupe de combat du lieutenant-colonel Jochen Peiper, un officier connu dans l'armée allemande pour son allant. De l'allant, il en a et il va le montrer. Ce jour-là, il traverse Stavelot malgré l'opposition de l'infanterie américaine et se dirige vers trois ponts où, malheureusement pour lui, les ponts ont sauté. De toute façon, il confie une tâche à son infanterie d'accompagnement. Il confie une tâche aux SS qui l'accompagnent. Il leur dit « nettoyer la vallée ». Les SS vont nettoyer la vallée d'une manière abominable. Autant vous dire tout de suite que certaines des images qui vont suivre, 40 ans après, sont difficilement soutenables. Op de heuvels rond Stavelot liggen de gehuchten Ster, Renardemont en Parfondrouy. Op 19 december zagen de inwoners van deze dorpen de Duitse tanks arriveren die onmiddellijk onder vuur werden genomen door de Amerikaanse artillerie. In Parfondrouy nam een twaalftal burgers deel aan het gevecht, onder wie Henri Delcourt. À ce moment-là, il y avait des soldats qui nous crient haut les mains. Et nous nous retournons, nous croyons que c'était des soldats américains, mais c'était déguisés en américains, c'était des SS.
c'était tous soldats allemands. Et ils nous ont ramassé tout le groupe ici, ils nous ont fait marcher devant eux. Et ils sont allés à la première ferme là, qui était à 100 mètres plus loin, ils sont allés ramasser tous les hommes, fouiller la ferme et ramasser tous les hommes qui se trouvaient là. Bij deze groep bevond zich inmiddels ook de vader van Henri Delcourt. In Renardement werden ze in deze schuur opgesloten. Ils ont attassé un après l'autre, ils sont rentrés tous dedans. Et il y a une dame qui veut venir par le mortier là, une dame qui parle allemand, madame Sauveau. Et comme elle ouvre la porte, elle a dit descendu de suite, tué de suite. Puis la belle-fille a été tuée là aussi. Les deux enfants aussi, hein. Le mari s'était réfugié au grenier, il a échappé lui. Alors on hésitait à rentrer, et moi je ne rentrais pas, et une dame derrière moi ne rentrait pas, et finalement il tue la dame. Il ne me veut pas rentrer, voilà, tue, revolver, descendu. Quand je vois ça, moi, je commence à un coup de crosse et je suis éjecté dedans aussi. Alors regarde. Alors ils mettent une mitrailleuse à l'entrée ici, hein, sur quelques mètres de moi, comme à peine de la caméra, pas plus loin que ça, quoi. Et ils mettent les filets de balles dessus et ils commencent à tirer. Ils ne vous ont rien dit Rien du tout. Entassés tous là-dedans. Ils nous ont rentrés. Vous étiez combien à ce moment-là? Nous étions 28. Et ils ont tiré dedans. Et moi, de suite, j'avais entendu tirer déjà de haut, moi j'avais déjà fait le mort à ce moment-là. J'ai déjà laissé tomber. Je commence à tirer, qui tombe sur moi d'un côté, l'autre de l'autre, de toutes les façons. Hein. Il y avait un sur moi, ici c'était M. Rousseau qui agonisait encore, qui râlait, quoi. Il y avait un boucan là-dedans, c'était indescriptible ce qui se passait là-dedans. Hein. Et alors il y en a qui est rentré dedans, revolver au poing, et tout ce qu'il y avait qui bougeait, balle dans la nuque. Tout achevé. On n'entendait plus rien à ce moment-là. Je croyais qu'il n'y avait plus personne, moi. Je croyais qu'il n'y avait plus que moi qui vivais. Et vous n'avez pas reçu une balle dans la nuque, vous? Non, j'ai reçu un coup de crosse, moi, ici, qui m'a foutu dans le regard. Mais j'avais une balle dans la jambe, qui m'avait enlevé le mollet. Et ils ont foutu de la paille et des bois et de tout à l'entrée, ici, à un mètre de moi. Ils ont mis le feu. Alors je commence à brûler, moi, les pieds commencent à brûler. Je dis, je fous le corps, moi je m'en vais. Je préfère tuer de suite dehors que de brûler vivant ici, quoi. Et je suis sorti par le fond du hangar, traverser tous les cadavres là, par le fond du hangar. Et je me suis enfui dans les bois, moi. Lucie Delcourt was dodelijk ongerust. Ze had niets van haar man en haar schoonvader vernomen. Ze ging op zoek in het bos en toen begon een grote lijdensweg voor haar. Quand j'ai vu tout ça, j'ai pris mon bébé et une couverture. Il y avait deux bras à ce moment-là, n'est-ce pas? Alors, je me suis sauvée dans les bois. Et j'ai passé deux jours et deux nuits dans les bois. Et il faisait tellement froid, il y avait des glaçons, et je l'ai fourré. Et j'ai sucé des glaçons pour donner à manger à mon bébé, qui n'a pas dit un mot. T'aurais dit permission du bon Dieu. Et là, eh ben, les Boches se battaient avec les Américains. Ils avaient fait une tranchée. Et j'ai dû passer outre. J'étais bénie, parce que j'avais mis le drap blanc de mon bébé avec une branche de sapin. Je me rendais. On avait toujours des croiseurs avec un drap blanc. Alors, je suis resté contre une pierre. Et là, il y a un soldat qui m'a tenu bien longtemps. Je suis resté. Vous dire combien de temps, je ne saurais jamais le dire. Puis par après, après deux jours, je suis rentré par un petit chemin. Je me suis retrouvé à la ferme des Masures, chez Maïs. Mais là, les Allemands se battaient toujours corps à corps d'un côté de la ferme et de l'autre. Alors la maman Maïs dit, viens Lucie, viens vite, viens. Mais j'étais gelé, hein, tout était gelé, mes bas, on a déjà tiré, tout était gelé. Et j'étais. Et mon bébé, je le tenais comme je pouvais. Je rentrais d'hôpital. Et il avait la tête en bas, il était vraiment plein de coups, plein de tout déjà dans le bois, comment voulez-vous? Alors là, je suis resté quelque temps. Mais je voulais rentrer à ma maison, je ne savais pas ce qui se passait. Je suis remonté. Et là, la voisine, qui était très gentille,
Mademoiselle Verdun, dit Lucie, il n'y a plus personne là, tu sais, viens vite, mais rampe le long de la maison, parce que les Allemands, effectivement, les Allemands étaient dans les toits des maisons, qui visaient toujours ceux qui passaient. Et bien là, alors, je me suis réfugié. Et 2 jours après, mon bébé mourait. Très souffrance, malheureusement. Mais je ne savais toujours rien. On savait bien que ça brûlait là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Puis on a commencé à chercher des planches. Et j'ai mis mon bébé dans un petit cercueil sur 10 ans, cloué comme j'ai pu. Quand on est seul, hein, et dans la peine, et j'ai mis mon bébé là-dedans. Een tijdje later ging Lucie Delcourt op zoek in de ruïnes van de schuur. Maar het enige dat ze vond waren de stoffelijke resten van haar schoonvader. Papa Delcourt était brûlé, mais où était-il? On l'a retrouvé. Il avait juste 3 doigts que j'ai retrouvé son alliance. Que je savais que c'était papa qui était brûlé. Nos voisins, tout était carbonisé. J'ai remis papa dans un essuie. C'est terrible. Ouais. Alors, il a fallu décider de descendre mon bébé. Tout est là-bas, dans la maison de ville, on avait, oh là là, combien est-ce qu'il y en avait de tués? C'est pas moi. Tout la maison de ville, là, tout. J'ai mis mon bébé là. ...130 burgers werden in Stavelot in koelen bloede afgeslacht door de SS. Daaronder waren 23 kinderen. Deze moorden veroorzaakten grote angst onder de bevolking. Brandstof vormde het grootste probleem voor de Duitsers. Ze rekenden erop bij verrassing de opslagplaatsen met jerrycans te kunnen veroveren... ...die verspreid in de Ardennen lagen. Er waren 2 heel grote op een paar uur van Stavelot langs de weg naar Francorchamps. Ze werden bewaakt door Belgen van het 5e regiment fusiliers. Ze aarzelden niet en staken het depot in brand. Il a été décidé que l'on devait incendier 3 à 4 tas de jerrycan d'essence pour arrêter l'avance des Allemands en direction de Spa. Il fut essayé au fusil mitrailleur de les enflammer, c'était impossible. On a dû déverser de l'essence, entrouer à la baïonnette, faire des traînées. Et au dernier dépôt, au dernier tas, ils mettent le feu pour que... Moi j'ai vu qu'on trouvait les bidons d'essence avec les baïonnettes du côté du vent et les derniers bidons de droite, hein, c'est à droite du tas, avec des balles traçantes. Tout a flambé pendant combien de temps? Vous comprenez bien. Ça brûlait, mais il y avait des bidons qui montaient 30 mètres haut. Mmh. Oui, ceux qui étaient à l'intérieur. Et chaleur tout autour. Oui, d'accord, ils explosaient. Oui, hein. On a retrouvé des c'était plus des jerrycans, c'était des bidons ovales. Oui, genre bidon d'huile. Là. Ça a brûlé, mais pas aussi vite qu'on l'espérait. Mais quand même, ça a brûlé des heures et des heures. Et nous avons brûlé entre 60 et 80 millilitres. Il est difficile de dire exactement, parce que c'était des mesures américaines. Et... Geen benzine voor de colonne van Pijpen. Ze zochten een brug over de Amblève om op Werbomont en de Maas af te gaan. Bij het Trois-Ponts hadden ze geen geluk. De bruggen waren opgeblazen door Amerikaanse geniesoldaten van het 105e bataljon. De enige oplossing voor de SS was om de Amblève te volgen tot La Glaize. De tanks van Jochen Pijpen raasden voort naar La Glaize en schoten op alles wat bewoog. Puis dans les caves on tire sur les maisons. Et comme nous rentrions dans la cave, le dernier, il y a une salve qui passait et qui brisait toutes les fenêtres. Nous passions derrière une grosse cheminée et c'était vraiment notre dernier moment de vie. Nous étions descendus les autres, mais enfin, il y en a qui auraient pu être tués. Mais c'est ce qui est arrivé. La colonne est arrivée, ils avaient mis une étoile, une bâche avec une étoile américaine, voyez-vous, sur le second tank. Et on a vu qu'il tournait,
et qui faisaient le tour, donc ils avaient raclé les façades de nos maisons ici, et ils faisaient le tour, ils sont arrivés devant l'école, et de nouveau, une salve. Et ça fait que Mademoiselle Collard se trouvait sur le seuil de sa porte, et le facteur Mathias revenait, il était en costume de facteur, et il revenait, ils étaient allés mettre de côté avec le percepteur de la gare, ils étaient allés mettre bien 2 millions, sauver 2 millions qui étaient arrivés par la poste. Ça fait, il arrive chez Madame Collard pour voir ce qui se passait. Et en même temps, ils reçoivent une balle meurtrière, tous les deux. Et le est tombé dans le corridor, et Mademoiselle Collard un peu plus loin. Et elle crie, « Maman, j'y suis, Jésus-Marie. » Je suis allée le lendemain pour les relever. Parce que ces gens-là étaient perdus quand ils ont vu qu'ils étaient atteints. Et les Mathias sont arrivés, les Gabriel et la petite, leur petite fille. Ils avaient un fils, mais ils étaient sans doute mobilisés. Et ils sont arrivés. Allez, il y avait ce genre-là. Het huis van de Robinsons aan de ingang van Stoumont, het volgende dorp. Daar ontmoeten de valschermjagers, de parachutisten die de Duitse tanks begeleiden, de eerste eenheden die de Amerikanen in de strijd geworpen hadden, de infanteristen van de 30e divisie. Het werd een enorme slag. De derde compagnie werd weggemaaid. De twee andere Amerikaanse compagnieën moesten de Duitsers in de rug aanvallen en gingen dwars door het bos. Ze stonden onder commando van majoor Hall McCown. I put my two companies on line, attacked towards Stoumont. I felled trees across the main road running from Stoumont to La Glaze and put mines across the road, blocking that main road between Stoumont and La Glaze. I heard no firing to my right, and I should have been seeing the 3rd Battalion. I moved out to my right to contact the 3rd Battalion. I had no rear. I left my rear, my headquarters company, well back to the north behind the 3rd Battalion because my combat elements were deep in the rear of the German lines. So I just moved with my two combat companies and moved out alone with a radio operator and an orderly to contact the 3rd Battalion. I walked squarely in the middle of about 30 Germans, not knowing that my 3rd Battalion had not cleared that area and moved off. So that's how I was captured. You fired immediately and they retaliated and got you and captured you? I fired. I first saw a German. I fired myself. I thought I killed him, but apparently I missed him. I talked to him later after I was captured. And the moment I fired, fire came over our head, we dropped to the ground, and we looked to the rear, and there was a long line of German skirmishers walking up. They were on our front and on our rear. I looked at the two men with me, and they were rear echelon troops. One was a radio operator. So I surrendered. There was 30 of them within sight of us, and weapons pointed straight at us. Then you met Paper and interrogated you. He was in Stoumont in a small house. I was taken immediately to him. He interrogated me for military information. When I refused to answer, he ceased questioning me. Piper was a top flight professional soldier. Voor Jochen Piper was nog niets verloren. De Amerikaanse infanterie blokkeerde wel de weg van de Amblève, maar er waren nog andere mogelijkheden om de kant van de Maas op te gaan. Zijn mannen hebben in ieder geval heel wat gevangenen gemaakt en ze namen onder het steeds zwaardere vuur van de Amerikanen ter plaatse proviant in. In La Glaize hadden de Duitsers de burgers en gewonden in de kerk samengebracht.
jour-là, il y avait un drapeau de Croix-Rouge qui était installé dans l'église. Alors, ils nous ont emmenés là, on s'est casés dans le coin, dans l'église, vous savez, sans bouger. Il y avait déjà des blessés dans toute l'église. Le premier obus est venu à l'hôtel de Saint-Joseph. Alors, ils nous ont fait caser dans le fond. Alors, le deuxième obus est venu au grand hôtel. Alors, on ne voyait plus, il y avait de la poussière, des pierres. Alors, on voulait sortir et ils ont dit qu'il ne fallait pas sortir, qu'il valait mieux de rester en dessous des voûtes. Et c'était tous les cinq minutes. On disait une prière pour survivre encore cinq minutes seulement. On ne faisait pas de marché plus grand. Et on en avait mouru. Il y avait des Américains après nous. Il y en a qui est mort. Il y avait des gens comme une passoire à sourds. On n'osait rien dire et pas faire de gestes, on avait peur quand même. Alors, malgré tout, alors, quand le clocher a descendu, il avait cette écoute que coûte, il a fallu sortir de nouveau. Alors, tout perdu, il y avait les ordres partout, vous sauriez bien un petit peu ce que ça peut être. On a voulu aller derrière l'école, alors là, derrière l'école, il y avait les Allemands qui étaient dans les tranchées. Ils ont dit Raus, 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 il fallait de nouveau partir. L'école était toute effondrée. On est repassé ici, on est venu ici, c'était ma grand-mère, il y avait une demi-vache là sur la table, il y avait un sapin de Noël là qui était préparé. On a voulu encore descendre le village, mais ici, mais non, pas pour vous nous laisser passer, il était dans les haies ici, plus bas. Alors on est venu se loger ici dans une petite étable de moutons. Alors après, le village a commencé à brûler, alors on est de nouveau reparti, mais tout on tirait, on a rampé tout le long de la route de Chenu, là, le long des routes, là. Parce que les Américains étaient au-dessus et les Allemands en bas, ils tiraient sur le haut. Alors de là, nous sommes allés vers le château de Fratecourt. Les Américains étaient là. L'étau américain se resserre autour des SS de Jochen Peiper. Bien sûr, Peiper occupe la glaise, mais ces hommes sont arrêtés quelques kilomètres plus loin, à Stoumont-Tarnion, par le 30e d'infanterie américain qui contre-attaque. Et il n'y a pas 36 routes pour sortir de la glaise, il n'y en a qu'une. Celle qui descend sur l'Amblève vers Cheneux, qui poursuit ensuite au-delà de l'Amblève vers Nemoulin, un autre pont cette fois sur un affluent de l'Amblève, la Lienne, qui poursuit vers Werbeaumont. C'est par là que Peiper envoie un corps, une unité de reconnaissance, pour poursuivre éventuellement par la suite vers Liège. Monsieur Maurice Prince est à Cheneux, il voit arriver les SS. Il y a une colonne d'Allemands qui descendait vers Cheneux, mais ils étaient arrivés au lieu dit la Croix-Pierre, là, mais on ne savait pas encore distinguer, ils étaient arrêtés là, ils étaient camouflés, on voyait un demi-tank, mais on ne savait pas si c'était les Américains ou si c'était des Allemands. Nous étions tous derrière la maison qui regardions ça, mais seulement quand la colonne s'est mise en marche, on s'est rendu compte que c'était les Allemands. Et vous en avez eu chez vous? Nous en avons eu chez nous, c'est-à-dire que la colonne montait le village, mais à ce moment-là, il est arrivé des avions américains qui sont venus bombarder la colonne dans le fond du village et au-dessus du village. In de Duitse kolonne die door de Amerikaanse jagers aangevallen werd, bevond zich een tankcommandant, de SS'er Karl Wortmann. We hebben hier tussen La Glaise en Cheneux, dat moest zo middags geweest zijn, of nacht, kort om 4 uur nachtmiddag, daar kregen we, wie gesagt, den Angriff der 16 Thunderbolts. En dieser Angriff, der hat vielleicht eine halbe Stunde gedauert. En we hatten natürlich auch dabei Ausfälle. Ich meine, ganz ungeschoren sind wir ja da nicht von gekommen, obwohl wir die Hauptlast der Flieger durch unsere Vierlingsflak abwehren konnten. Wir sind dann weitergefahren. Wir haben aber dann keinen Fliegerangriff, gar keine Feindberührung mehr gehabt. Bis also Neufomelin, oder wie heißt dieser Ort da? Wo dieser Linne, oder wie heißt dieser Fluss? Ligneville. Nee, der Fluss, wie heißt der? Lienne, ja. Da mussten wir rüber. Und da haben wir eine ganze Zeit gestanden und auf einmal flog die Brücke in der Luft. Dit keer zaten ze echt vast bij de Lienne. Ze keerden terug naar Cheneux. Ze joegen de inwoners uit hun huizen en brachten ze bij elkaar in de kathedraal, zoals de kerk toen genoemd werd, zonder voedsel en zonder water. Il y avait des petits enfants, notamment de 3-4 mois, après qui ont été obligés de boire de l'eau bénite. Ils trempaient leur mouchoir, les parents, les mères trempaient le mouchoir dans l'eau bénite. Et ils laissaient sucer le mouchoir à l'enfant pour boire.
Et ils ont survécu? Ils ont survécu, mais n'ont jamais plus voulu boire du lait. Il y avait des vieilles personnes qui devenaient un peu sottes, qui voulaient manger n'importe quoi, mordaient dans des pavés ou... Et les gens, pour se chauffer, ils faisaient terriblement froid au mois de décembre, à Noël. Alors, on les arrachait tout ce qu'ils pouvaient, en... qui était en bois, et ils préfèrent du feu. Et... Qu'est-ce qui s'en suit, quoi? In de baai van Nantucket woont een van de beroemdste generaals van de Verenigde Staten, James Gavin, commandant van de 82e luchtlandingsdivisie. In 1944 was hij 30 jaar, de jongste generaal van het Amerikaanse leger. Well, I think the fighting was probably as severe as any we knew during the entire war. And we fought down in Italy where it was difficult and mountainous, cold, in the desert of North Africa, which was bad, and Sicily, which was very bad. That the Balkans had a quality, the Ardennes had a quality all of its own. Deep, cold, bitter cold. And then, of course, we had no camouflage uniform, so we took Belgian bed sheets. And being a parachute company, battalion, the division, we had sewing machines to repair parachutes, so we made coats out of those Belgian bed sheets, white coats, long sleeves, come down to the waist. The snow would cover you up to your knees. So that improved and helped us a lot. We painted some of our vehicles white, and I admired the way the GIs reacted to the conditions they met. We didn't expect anything quite like that. They stayed out, slept out in the snow all night, and night after night, and it was hard going. Trench foot was rampant, cold, frost, frozen feet, and so on. It was very bad, but they did a great job, a very fine job. De parachutisten van de 82e divisie gingen tot de aanval over. Ze verlieten hun wagens niet ver van Werbomont. Ze waren op weg naar de verschrikkelijkste veldslag van hun leven. So the best thing we can do is we'll bring the 82nd right through Bastogne and come on north and unload them in Werbomont tonight. And that night the Germans hit us at the foot of the hills in Werbomont. So we just barely got in when the attacks came. Now, while you were progressing towards Werbomont, you saw the civilians coming down the road. Oh yes, they were in great distress and taking everything they could possibly get on carts and baby carriages. And they're quite afraid. I talked to some because I wanted to know where the Germans were and how many of them there were. This at the foot of the hill at Werbomont. And they told me they're just over the hill, they're coming, they'll kill you. Of course they'd kill you. But they'd killed a civilian too. A number of civilians were killed, as you know, by the 1st SS, by Piper's command. And they were in great distress and great trouble. How did it take place when you met the Germans? When I met the Germans? Yes. Well, they were trained troops, well-trained troops, and you didn't see a lot of them walking around not knowing what they were doing. They were in position to fire, and when we get contact with them, we opened fire on both sides right away and began to maneuver against them. We had lost, well, there's an English expression where there's no love lost between us. The real fighting took place at Chenoux, and that was a bitter, probably the hardest fighting we did in the whole war. It was hand to hand, on the German half tracks. We took their armor away from them, the half tracks away from them. Very bitter fighting. Vanavond voor de eerste keer de slag om Chenoux in een directe uitzending. Dat zei een oorlogscorrespondent van de BBC. Dat was 40 jaar geleden en er zouden nog honderden mannen sneuvelen. It seems a slow, sullen battle at the moment. Because in each case it's just the forward elements that have met. The German machine gun fire again down the village of Chenoux, just about 100 yards down the road. There's very heavy fighting going on down there now between the American paratroops and the German SS men. De eerste Amerikaanse aanvalsgolf kwam uit het bos. Het waren 120 man, onder hen de parachutist Mike Homstock. Ze moesten nog 500 meter door het open veld naar Chenoux. It was a very
dark, foggy night. And about 6 or 8 o'clock, we approached these fields from that direction. There were trees and woods there. As we approached, we got to the middle of the field. And about that time, the German flak wagons opened up at about knee-high level and caught us unaware. Fortunately, at that time, I was coming under the barbed wire fence, and they had us pinned down. When I had arrived at this point, I positioned myself behind the tree, and there was a German flak wagon in this position right here by the end of the house, and I fired upon him, and he saw the flash of my rifle, swung his gun around in this direction, and as I saw the bullets coming, I ducked behind the tree, not fast enough, and it exploded, hitting the base of one of the shells exploded at the base of the tree, and that's where I was wounded, in my forehead. At that point, when I started to bleed, I went back and then up to the house where we had an aid station. And there I was patched up, and then I came back, and we went forward into the barn where there was a lot of hand-to-hand combat. Now, that part of it, to this day, my mind is blank. I know at daylight, I came back to the house, and a portion, like that cement block building there, was not finished. There was just like a shell of the house. And I remember it was about dawn, 6 o'clock in the morning. I sat there. The battle was now over. And I was sitting next to another member of my company. And we were both just sitting there, just nervous, shaking. The adrenaline had probably worn off. But from there, we were called up to the road, where we were told to help pick up the dead and stack them so that the graves registration could account for the dead soldiers. The whole fields were covered with dead. This whole field was blood red. There was equipment and blood all over. Most of my comrades had been wounded, and they were bleeding profusely, and it was just red. It was not green. Did you have to fight the Germans? Hand to hand. Oh, yes. Up until this point, there was very little hand to hand because they had the flak wagons and their infantry troops in this area here. But when we came back and went over there, then it was hand to hand, knives, guns. Can you remember anything from that? No. I guess we were berserk. We were just killing anybody in a German uniform. And why I wasn't wounded further or killed, I don't know. When you came 4 years ago for the first time, this tree was not blooming. No. Well, this tree was just a stump. You can see where it has grown in the last 4 years, right from the top. And the little V at the bottom of the tree was more pronounced where the bullet had hit the tree and grown over, but now it's rotting away. It's still alive. Still alive. Does it mean a lot to you, Chanu? Yes. Well, being alive, I'm just fortunate to be here. Amongst the trees on both sides of the road here, American paratroops have crouched. Because just where the road bends there, just where it disappears into the mist,
the road's under German small arms fire, and they're waiting. The heavy gunfire is taking place just on the other side of the river where it sweeps past the village, because it's there that most of the German tanks have been placed. Here on the edge of the village are two American TDs, tank destroyers. They're sitting under the trees, watching and waiting. Here comes a jeep making a rush down into the village of Chenow now. There goes a small arms fire on the jeep as it goes into the village. German machine gun fire again down the village, you know, just about 100 yards down the road. There's very heavy fighting going on down there now between the American paratroops and German SS men. SS in La Glaise werd omsingeld. Ze hadden Stoumont en Chenieu moeten verlaten en hadden zich ingegraven wegens het steeds zwaardere Amerikaanse vuur. Ze hadden geen benzine en geen munitie meer. Het parachuteren ging verkeerd, hun gebied werd steeds kleiner en de Amerikaanse bombardementen waren ondraaglijk. Op kerstavond werd majoor McCann, de hoogste in rang van de Amerikaanse gevangenen, bij luitenant-kolonel Piper gebracht. Het werd een surrealistisch onderhoud. But late that night, he called me to his command post. I think he was lonely, wanted to exercise his English, and I think he wanted to brag about certain German superiority, his Tiger tank, the big offensive they were putting on. He talked about the jet airplanes, which were quite new to us. He talked about the buzz bombs. He mentioned an underseas campaign which was going on. I had the feeling, despite all this, that Piper himself was one of the few in the organization that I was captured by that knew they didn't have a chance. Piper besloot om uit La Glaise te trekken en te proberen met de 600 man die hij nog had, lopend bij de Duitse linies te komen. Alles lag onder de sneeuw. Het was kerstavond. Het sein tot vertrek werd precies om middernacht gegeven. Piper liet zijn krijgsgevangene achter in de ruïnes van de kerk. Hij nam één gevangene mee, majoor McCann. Dawn hours, he moved out. And as we pulled up on the hill to the south of the river, we could see explosions going off throughout the city, all over the valley, the work of his demolition teams destroying his tanks. It is my understanding that about 88 half-tracks and 39 tanks total were destroyed. De SS'ers zouden proberen om Trois-Ponts heen te trekken en door de Amerikaanse linies te gaan. Karel Wortmann ontving het sein tot vertrek. In de nacht kwam een melder en rief dat woord Frohe Weihnachten. Ja, Frohe Weihnachten, we brechen uit La Glaise uit. Sofort den Panzer sprengen en folgen. En in dat moment was de melder ook schon wieder weg. En dan hebben we sofort onze wichtigsten Sachen genommen und haben den Panzer mit zwei Haftladungen gesprengt. Und dann bin ich mit meiner Gruppe hier nach La Glaise zugegangen. Und in der Nacht zuvor hat es etwas geschneit. Und ich habe aber von dieser Kolonne überhaupt nichts gesehen. Plötzlich sagt einer meiner Kameraden hier, in dem Schnee sind viele Fußspuren. Und dann sind wir diesen Fußspuren gefolgt. Und dann haben wir die Kolonne eingeholt, wie sie gerade unter der Bahnunterführung war, um Bochten und waren dann links umgebogen, wo diese wenigen Häuser da im Ambleftal stehen. I thought, when he tried to get through an American line with all of its fixtures, that he'd have a
a lot of trouble, and I'd have several good opportunities to get away. Well, it so happens that the American lines were fluid. They were coming to the rear. The American command, high command, having decided to give up the St. Vith salient, and the 82nd was withdrawing from its advanced positions. Luckily, after we met the Americans, apparently an American company, a firefight broke out between the column I was with and this American company. Finally, the firing broke out extremely heavily, and I had hit in a dark spot. And many branches and trees, elements of trees, fell on us from close explosions and machine gun and rifle fire cutting the branches over us. I wiggled away a little distance from where I was, then wiggled a little further, crawling in the deep snow, and finally wiggled well away from the line where I was and continued moving on. Finally, I turned straight toward the direction from which the American fire was coming, came to a road, started whistling an American tune, and I ran into an outpost of the 82nd Airborne. Het moeilijkste punt bij het terugtrekken was het oversteken van de Zaan, die ijskoud en gezwollen was door de sneeuw. En dan hieß es alles runterkommen. Und wer schwimmen kann, da waren auch einige bei, die sind dann rübergesprungen durch den Fluss. Der war damals ziemlich hoch, der hatte Hochwasser. Und dann habe ich gesehen, wie wir dann unten waren, dass wir uns einhaken mussten, immer so verkehrt. Einer guckte so, einer so und dann eine kleine, eine größere Person. Und dann ging es durch den Fluss durch. Und dann musste man auf diese Steine, die man unten quer da reingelegt hatte, mussten wir nun balancieren. Und die Strömung, die war unerhört stark und die hat diese Kette, die wir nun durch das Einhaken gebildet hatten, hat die Kette auch auseinandergerissen. Also sind ein paar Dutzend. Da sind einige ertrunken und abgetrieben. Ne? Es war ja auch so kalt, dass einer, der reinfiel, selbst wenn er ein guter Schwimmer war, in der vollen Uniform keine große Chance hatte bei der starken Strömung. Ja. Uiteindelijk kwamen Piper en de overlevenden van zijn kolonne bij Wan bij de Duitse linies. Ze waren uitgeput en de SS had het initiatief verloren. Petit Spain in het dal van de Amblève op enkele kilometers van Stavelot. Geïsoleerd op een heuvelhelling en aan de rand van het bos ligt het tehuis voor kinderen van gevangenen. Bij de komst van de Duitsers werd de geestelijke van het tehuis, pater Prégardien, weggevoerd en gedood. De directrice, mevrouw Jacobs, besloot om met de 40 kinderen te blijven. Ils ont trouvé des femmes et des enfants. Alors ils étaient éberlués. Ils disaient, mais enfin, qu'est-ce que vous faites ici? Ben, j'ai dit, écoutez, nous étions avant vous, nous étions même très bien. Alors ils ont commencé à chercher partout. Et ils n'ont rien trouvé, évidemment, mais ils n'ont pas trouvé de vivres non plus, ils n'ont rien trouvé du tout. Alors ils se sont servis des caves pour s'abriter, et ils venaient, par exemple, la nuit, ils venaient dormir là, et puis entre les batailles, ils revenaient, ils ramenaient les blessés, ils descendaient au combat, et puis on les remontait les blessés avec des couvertures par les quatre coins, et on les remontait dans la cave, on faisait les premiers soins les plus précis. Ce qu'ils en faisaient, il paraît qu'il y a des gens qui ont dit qu'ils achevaient leurs blessés. Je n'ai pas vu qu'ils en achevaient. Mais en tout cas, ce qui est le plus clair, c'est qu'ils ont certainement tué les 4 ou 5 Américains que nous avons vus dans la cuisine les premiers jours. Tous les pannes étaient autour de nous. Et tout le tir américain était sur nous. Parce que les Américains étaient sûrs que le home était évacué. Nous avions mis des matelas le long de nos soupiraux pour ne pas avoir le froid, les carreaux étaient cassés. Les matelas nous revolaient à l'intérieur par la lèvre de la garçon, tellement c'était fort. Il n'y avait pas moyen de mettre le pied dehors. Sauf aux petits jours blancs, quand il fallait absolument aller jusqu'au ruisseau pour chercher un peu d'eau. Mais c'était très, très périlleux, très dangereux. Et on voyait là, sur le bord du chemin, des mitraillettes en poste et les soldats à leur poste, mais gelés. Tout était gelé, recouvert de neige. Voor de kinderen had het echte gevecht het sneeuwbalgevecht vervangen. Est-ce que les enfants demandaient après leurs parents? Pas du tout. Mais on ne pensait pas à grand chose.
On était pris par tellement de, comment dire donc, de contingences physiques. On était si fatigués, on était si secoués, on avait si faim, on était... Tout le reste, comprenez-vous, ça partait dans un peu dans la brume. On vivait le jour, comme ça, un peu comme des oiseaux. On se levait à 10 heures du matin, on se couchait à 5 heures l'après-midi, on dormait le plus qu'on pouvait. On tâchait de se réchauffer les uns contre les autres, et voilà, la vie était comme ça. Et les repas, c'était rien. Enfin, on transpirait à grosses gouttes pour couper le pain, tellement il était dur. C'était vraiment immangeable, immangeable. De 40 kinderen leefden in een ware hel. Dat duurde 15 dagen. De toestand werd ondraaglijk. Alles om hen heen was verwoest. Zelfs de Duitsers beseften de ernst van de zaak en besloten de kinderen te evacueren. Et on est parti par petits groupes et à la file indienne dans un silence de mort, mais il y avait des arbres tombés, on devait les escalader, les enfants étaient fatigués, ils avaient faim, etc. C'était difficile. Notre petite cuisinière a dû déposer sa valise. Elle la dépose sur un mort gelé, elle ne s'était pas rendue compte, évidemment, elle était tout à fait saisie de l'affaire. Et alors nous avons été là en haut, et voilà que tout à coup, notre camion ne veut pas partir, il s'est enlisé dans la neige. Et on faisait un pétard fou, le moteur allait d'une façon terrible. Et alors les Américains ont entendu du bruit d'un moteur et ils ont commencé à tirer. Et alors les enfants ont été pris d'une panique épouvantable et comme des lapins qui ont un trou, ils se sont précipités en hurlant, comme à bouche que veux-tu, jusqu'au haut, à travers bois sautant au-dessus des arbres, etc. Il fallait qu'ils rentrent dans leur trou et ils sont tous tombés dans leur haut, ne voulant plus en sortir. Alors on a dû attendre qu'on dégage le camion. Et l'officier, il était vraiment bon. Il avait eu ses enfants qui avaient été tués dans les bombardements de Hambourg. Et il avait les yeux pleins de larmes. Il disait, les pauvres enfants, ils sont perdus. Et puis, nous avons fait un second chargement et on est parti. Seulement, les Allemands ne savaient plus très bien que faire avec 40 enfants. Et ils étaient un peu dépassés par l'affaire. Ce qui fait que nous poussions nos bagages dans le camion. Et les Allemands les jetaient dehors et nous les repoussions dedans. Enfin, pour l'amour de Dieu, les Allemands, je vous en prie, n'est-ce pas, mettez les enfants dans le camion et qu'on s'en aille, on ne peut pas rester ici, on ne peut pas rester ici. Alors quand tout était dans le camion, j'ai dit aux enfants, maintenant, taisez-vous. Et j'ai pris la chèvre que nous avions, notre petit biquet, et je l'ai mis sur la tête et sur les épaules de tous les enfants. C'était un petit biquet, pas plus haut que ça, c'était un petit biquet. Parce que je ne voulais absolument pas que les Allemands s'en ravitaillent, je ne voulais absolument pas. Biquet ne pouvait pas être mangé par les Allemands. Et alors nous avons été, mais les enfants, tout le temps, pendant tout le trajet, j'étouffe, je n'en peux plus, ils ont hurlé, pleuré, etc. Nous étions beaucoup trop serrés dans cette affaire-là. Au point que les bouteilles d'huile de foie de morue que ma sœur avait mis dans les pantalons de son training pour tâcher de la sauver, se sont cassées sur ses mollets. Et elle avait des larmes d'huile de foie de morue qui descendaient dans l'essuyer. Et nous sommes arrivés alors à Grand Halle d'abord. Mais là où on n'avait pas voulu nous recevoir parce que c'était pas prêt, on ne pouvait pas nous recevoir, nous étions trop nombreux. Ça a brûlé la nuit d'après. Et nous avons été reçus à Farnières, chez les pères de Farnières, qui ont été vraiment bons. Ils avaient déjà 850 personnes, ils nous ont pris encore avec nous autres. Voor deze kinderen was het avontuur gelukkig afgelopen. De Amerikanen namen de zorg voor de kinderen op zich en een paar dagen later werden ze verder landinwaarts gebracht. De Amerikanen sloegen terug en al snel vormde Saint-Vite een bres in het Duitse front. De Amerikaanse verdediging belette de Duitsers verder voort te gaan. Saint-Vite, un nœud de communication important, tient. Mais les Allemands veulent absolument cette ville, et les Américains l'ont compris. Dès lors, la bataille de Saint-Vite sera terrible. Pour les historiens, c'est là que s'est décidée l'issue de cette offensive.
De Duitsers moesten Saint-Vit wel innemen om zich van een doorgang te verzekeren. De strijd die ontbrandde zou lang duren. Voordat het tot een treffen kwam, beseften ze aan beide kanten dat ze tot elke prijs moesten winnen. De Amerikaanse generaal Hasbrouck, commandant van de 7e Panzerdivisie, kwam net op tijd in Saint-Vit. The Germans didn't expect us to get there that fast. And when we met them, we had a head-on collision with them just east of Saint-Vit. They'd been told there were no American tanks there. And here they were, and they were caught by surprise. And we knocked out 8 of their tanks right away. So the first day was a great success. But then they augmented their forces rapidly. And, well, I'll let you go on because the rest of it is... I've had a discussion with General Manteuffel, and he told me that if he had been able to capture Saint-Vit on schedule, the 101st Airborne would never have gotten to Bastogne because, but we denied him 6 roads and 3 railroads by keeping Saint-Vit as long as we did. We held it 6 days, and he'd hoped to have it on the end of the second day. And he realized, he told me, that the jig was up, to use an American phrase, and that he recommended to Hitler then that the offensive be called off, but Hitler wouldn't countenance that at all. Saint-Vit werd eerst bedolven onder de Duitse bombardementen en daarna onder de bommen van de geallieerden. In 14 minuten werd de stad volkomen verwoest door 1100 ton bommen. Mevrouw Meur was alleen met haar kinderen in hun zaagmolen. En dan ben ik dan ook zu meiner Schwester rauf, dat was den Mittwochs. De Keller war voll evakuiert. Wir waren sicher zu 40 im Keller und die Nachbarn, alles, die hatten einen guten Keller im Hotel zur Post. Ne? Und in demselben Moment kommt da ein Einschlag von Rott. Da haben die Amerikaner das Hotel zur Post, die sämtlichen Gebäude, also die Küche und die Wirtschaftsräume, alles war schon zerstört und die im Keller waren, die haben, waren alle, hatten Treffer mitbekommen, nicht Granatsplitter und sonst. Es war eine schreckliche Panik. Da hat es Tote gegeben. Und dann hat die Frau Klein von Schlausenbach, sie kam zurück und hatte gesagt, Frau Mauer, jetzt können wir nach Bleialf zurück, die Deutschen sind da. Aber es hat mich erwischt. Oh Gott, sag ich, Frau Klein, ihr Arm, da hing der Arm noch gerade an dem Faden. Und ich rufe zum Sanitäter, aber es war niemand da. Ich komme auch nicht an der Treppe hoch. Ich hatte die kleine Heidi, die war 7 Monate alt, auf dem Arm. Ja, sagte ich, Frau Klein, was sollen wir machen? Und sie fällt denn auf die Treppe da zusammen und der Blutstrahl, der ergoss sich über die ganze Treppe. Und ich schreie, da kommen die anderen mal runter und haben denn gesehen, was los war. Ne? Die Frau Freches hatte den Kopf voll Splitter und Paul Furt, soll ich sagen, er hat gesagt, ich habe den Arsch voll Splitter. Er war auch total, also er hat so verwundet, ne? Und alle, die oben waren, hatten was mitbekommen, die deutschen Soldaten, alles. Jetzt sagt meine Schwester, ja, was machen Sie? War gerade eine Flasche Milch oben wärmen. Wir hatten unten keinen Ofen im Keller. Ja, sag ich, das wird ja immer schlimmer. Was sollen wir machen? Wir können ja nicht mehr hier bleiben. Das geht doch nicht. Wir laufen denn bis zum Büscheler Turm. Da sagt Herr Terren, ihr könnt bei uns bleiben. Wir haben noch ein bisschen zu essen. Nee, sagt meine Schwester, hier ist ja so kalt und da brannte so eine kleine Kerze. Und es ist kein Licht da, das geht doch nicht, wir können ja nicht bleiben. Und die ganze Familie ist denn tot geblieben, nicht? Die Eltern, 4 Kinder und haben den Hund mitgenommen, den Hund noch aufgegessen, weil sie so einen Hunger hatten, nicht? Und kamen aber auch nicht mehr raus, das war ja total zugeschüttet, nicht? Wir haben uns denn da, das war den Heiligen Abend, war sonntags. Ich meine, es war sonntags. Was habe ich eben gesagt?
Ja, und meine Schwester, sie hatte eine Riegel Schokolade in der Tasche und hat den Kindern die gegeben. Dann habe ich ja noch geschrieben, so arm kann das Christkind sein, mit einer Riegel Schokolade Weihnachten feiern, nicht? Und wir blieben denn 2 Tage da. Dann war der Beschuss so schlimm da und da fielen die Bomben. Wir gehen noch in ein Nachbarhaus. Das war auch keine Möglichkeit. Da waren 40 St. Vitter. Ja, da konnten wir ja auch nicht bleiben. Und jetzt war Weihnachten. In welchen? Ah, nee, wir waren da noch bei Schrauben. Da waren wir im Stall. Der Bauer sagt, ja, wir haben keinen Keller, geht in den Stall. Das Heu, das schützt euch vor Bomben. Das Heu sollte uns denn vor Bomben schützen. Und da waren wir ca. 40. Und eine Frau wurde noch ohnmächtig, wie der Angriff kam, nicht? Da wurden wir hin und her geworfen von dem Luftdruck. Wir fielen, und das, wir konnten die Kleine nicht mehr halten, wir zitterten so. Wir ließen die Kleine fallen auf den Boden und die Frau piep, die wurde ohnmächtig. Und dann haben wir die in die Stube getragen und der Luftdruck war so schlimm, nicht? Und alles war schwarz, das war der erste Angriff, nicht? Ja, und wir gehen raus hier, da sahen wir St. Vit brennen, nicht? Das war eine Wand, die ganze Stadt brannte schon. Und am zweiten Tag, das war noch schlimmer, da kamen ca. 700 Flieher und haben denn die Stadt total zerstört. In St. Vit stond geen steen meer op de andere en de stad brandde dag en nacht. In een andere piepkleine kelder zaten verschillende families opeengepakt. Es war so gewesen, in dem Keller hatten wir einen Ofen zum Heizen aufgestellt und dieser Ofen, der platzte plötzlich. Und wir glaubten zu ersticken durch den Ruß und glücklicherweise fing es kein Feuer, aber durch den ganzen Ruß waren wir schwarz und die Haare standen uns zu Berge, wir bekamen keinen Atem mehr. Alle schrien, es war grausam, bis denn die nächste Bombe wieder fiel und Luft brachte, wieder eine Decke aufriss, dass wir Luft bekamen. Ja, und so ging das die ganze Zeit weiter, also es war ein Inferno. Die Erde bebte, wir wussten ja nicht, was draußen geschah. Das war unendlich für uns, das war unendlich. Ich kann mich nur erinnern, dass ich das Baby auf dem Arm hatte und meine Mutter hatte die Kleine an der Hand, die stand eingezwängt zwischen den erwachsenen Personen und weinte. Und das Baby, das, ich konnte mich nicht bewegen, weil wir waren so eingezwängt, das rutschte mir immer tiefer und ich rief meiner Mutter zu, halte mir das Kind fest, halt mir das Kind, ich konnte mich nicht mehr bewegen. Nicht? Manche beteten, manche weinten, das war ein furchtbares Drama. Und als Sie dann aus dem Keller kamen, was war dann der Eindruck? Ja, dann hörten wir erstmal Stimmen von Soldaten, die riefen, sind doch noch Menschen. Ja, wir sind hier unten, kommen nicht raus. Es war ein Loch oben an der Kellerdecke, das brachte etwas Luft. Und dann hat man den Leitung, was weiß ich, dahingestellt und hat uns dort einer nach dem anderen rausgezogen. Die Häuser brannten ja rechts und links und wir glaubten, jeden Moment würden sie zusammen, über uns zusammenfallen. Und wir sind mir gestürzt und gelaufen. Dann kamen die Jabus. Das war das Schlimmste noch. Wir konnten kaum über die Straße laufen, dass die Tiefflieger kamen auf uns gestürzt und wir mussten uns in den Graben werfen und dann auf und wieder weiter. Das war St. Vit, 300 Tote unter dem Puin. Gedurende 5 weken leefde een groot deel van de bevolking, zo goed en zo kwaad als het ging, in deze spoorwegtunnel. 5 weken haast zonder eten. Thank you.
Maar er was niet alleen Saint-Vite. Stavelot had heel wat artillerievuur te verduren. Daardoor werd de bevolking gedwongen een schuilplaats in de kelders te zoeken. Door het op elkaar gepest zitten, de angst, de honger en dorst, veranderde het gedrag van de mensen. Les deux premiers jours, on a bu le restant des robinets, et puis nous avions trouvé, ici un peu plus bas, dans une petite étape de cochon, deux cruches de lait suri. Alors, quand on a eu bu ces deux cruches de lait suri, avec la vieille dame, nous avons cherché à avoir de l'eau. Mais comme c'était très difficile, moi, je suis allé voir dans les maisons. Alors là, dans une maison, j'ai trouvé une chasse de WC où il y avait encore de l'eau. Et cette eau-là, ben, je l'ai gardée égoïstement pour moi tout seul. Et tous les jours, j'allais en boire un petit peu. C'est seulement par la suite qu'ici plus bas, nous avons appris qu'il y avait une maison avec une pompe qui pompait toujours à la main. Et c'est ainsi qu'on a pu avoir de l'eau. Et quand il y avait une accalmie, on partait nous deux avec un bassin chercher de l'eau. Vous m'avez dit qu'on devenait très égoïste dans des situations pareilles. Oui, on devient très égoïste. J'ai vu mon cas personnel, malgré qu'en général j'ai un bon cœur, mais la chasse d'eau, je l'ai bu pour moi toute seule. Je n'ai pas pensé à ma mère, ni à ma soeur, ni à ses deux enfants. Maman avait une bouteille de vinaigre, elle a fait la même chose, elle ne m'a jamais demandé si j'en voulais. Et c'était un peu tout le monde, un peu du chacun pour soi, enfin. Il y avait malgré tout quelques personnes qui ont été dévouées. Et je connais une dame ici en dessous qui est sortie. À un mauvais moment, elle est sortie vraiment au début de la soirée pour aller voir après du lait ou après quelque chose pour boire pour un petit bébé. Malheureusement, elle était à peine sortie qu'elle a été mitraillée, enfin. Onder die granaatregen ging men toch door met broodbakken. De bakkers waren bij elkaar gekomen bij Jean Gemakle. On n'avait pas d'électricité, donc il fallait pétrir à la main et aller chercher l'eau ici à la fontaine en face. Et on pétrissait le pain quand on entendait un obus, on s'ouvrait la cave. Hein. Voilà. Il fallait parfois une heure, deux heures pour faire une fournée de pain, enfin, pour, avant que le pain ne puisse aller au four. Est-ce que vous aviez encore de l'approvisionnement ou... Oui, quand l'offensive, quand on a eu. Ça s'est déclaré, on avait notre stock habituel, on l'a épuisé. Et puis après, les Américains nous amenaient de la farine. C'était rien de terrible. Non, c'était du pain plus mauvais que le pain de ravitaillement qu'on avait pendant la guerre. Onderaardse gewelven van de abdij van Stavelot. Hier zochten honderden mensen beschutting. Daar was ook Madeleine Bourin die op het punt stond een kind te krijgen. Ik ben m'accoucher ici, mourir pour mourir. Nous n'avions pas d'eau à l'allure d'une bougie. Grâce à Dieu, j'ai eu un accouchement normal qui s'est passé tout à fait normal. Et ce qui a sauvé ma petite fille, c'est qu'on n'a pas su la laver, ni lui donner des soins, la garder la graisse. Et grâce à ça, elle a été sauvée. Alors vous êtes resté 4-5 jours dans ces caves. Dans les caves où on entendait des cris, où tout le monde avait faim. Moi, j'ai demandé à avoir à manger. On m'a dit, il n'y a que des pommes de terre, on peut cuire des pommes de terre, il n'y a plus. J'ai dit, donnez-moi n'importe quoi, mais j'ai faim. Et vous pouviez nourrir votre bébé? Et grâce à Dieu, j'ai pu nourrir mon bébé, oui. Et pas seulement le vôtre? Non, j'ai pu nourrir deux petites filles aussi. Une petite Parmentier et une petite Bûche. Op 23 december werd Malmedy voor het eerst gebombardeerd. Het waren toestellen van de geallieerden die een bom op de stad lieten vallen. Ze kwamen de volgende dag terug om het centrum plat te gooien en zelfs op kerstdag. Na die drie opeenvolgende luchtaanvallen waren de 2200 inwoners en de Amerikaanse eenheden die in de stad waren totaal verbijsterd. Niemand had zoiets verwacht. Des bombes uniquement explosives. Ce qui a mis en somme le feu à la ville, ce ne sont pas des bombes incendiaires, il n'y en a pas eu. Ce sont les poêles, parce qu'il faisait fort froid,
il gelait et il y a tous ces poêles qui ont été renversés et le charbon, c'est ça qui a mis le feu à la ville. Bombardementen waren een vergissing. Men had zich in het doelwit vergist. Zowel op 23 als op 24 december werd Malmedy verwacht met het Duitse Zulpich. Op 25 december, Malmedy brandde nog altijd, werd het vanuit de lucht aangezien voor Saint-Vit, het beoogde doel. Later pas bemerkten de Amerikanen hun vergissing die aan 202 burgers en zo'n 200 Amerikaanse militairen het leven kostte. Ils ont occupé le village d'Ordaigne les premiers jours, ils étaient à 2000. Occupé le village et les forêts voisines, puisqu'ils tentaient de percer le carrefour de Manet. 2016, presque sans ravitaillement. Vous étiez dans la cave, et à un moment donné, vous entendiez la porte qui était arrachée, les fenêtres qui s'ouvraient, et puis vous entendiez que les Allemands occupaient la maison, là. Et vous deviez crier « civil, civil », parce qu'eux, ils se rendaient compte qu'il n'y avait pas d'Américains cachés dans le bâtiment. Et alors, ils se mettaient à table, 9 fois sur 10, et ils mangeaient à volonté s'ils pouvaient le faire, parce que les réserves alimentaires étaient bien minces à ce moment-là. C'était le ravitaillement. Après 4 ans, vous comprenez bien que les grandes réserves, dans toutes les maisons, il n'y en avait pas tellement. Mais eux, les Allemands qui étaient au combat, disons bien la vérité, les premiers, le ravitaillement n'était pas avec eux. Ils mangeaient ce qu'ils trouvaient. Ils étaient agressifs? Quel comportement avaient-ils? Ben oui, ils étaient agressifs parce que le premier jour, un homme qui était sourd se trouvait à l'intérieur de sa maison et il a été abattu d'un coup de revolver à travers la fenêtre. Un autre a voulu aller fermer, c'était pas le moment d'arriver des troupes aussi. Il a voulu aller fermer une porte au bâtiment voisin. Il a reçu une rafale de mitrailleuse, 4-5 jours après, il était mort de soin. Un autre, lui, les Allemands l'ont fait descendre les escaliers de sa cave, ils lui ont frappé sur l'épaule, il s'est retourné, il lui a donné une balle dans la bouche. Et puis alors chez nous, rentrant des premiers combats qu'ils avaient livrés à Manhay avec les blindés, ils ont tué mes parents, mon frère et le frère de ma mère dans notre cave à la grenade. Et un soldat autrichien, parce qu'il nous a dit qu'il était autrichien en tout cas, qui parlait plus ou moins le français, il nous a dit que l'artillerie américaine faisait barrage au carrefour de Manhay, que jamais il ne passerait. Op 21 december had de 2e Panzerdivisie van de SS de hoogvlakte van Tai bereikt. Zij was verantwoordelijk voor de slachting van Oradour-sur-Glan. Na felle gevechten werd het kruispunt bij Barak-Fretur gepasseerd. Nu moesten nog voorbij 1 belangrijk kruispunt bij Manet. In de avond van 23 december vielen ze Ordaigne aan. On avait détruit sur la route, détruit, déblessé. Mais le charroi continuait tout le temps, n'est-ce pas? Il faisait un tonneau par la gare, à cause de la poussière. Vous voyez, quand il éclatait quelque chose sur la chaussée, le soupirant qui était ouvert tous les deux. Nous avions toujours plus de poussière à la cave. Et pour finir, nous ne savions presque plus y résister. D'ailleurs, c'était branlant, n'est-ce pas? Nous avions déjà la voûte était trouée. C'était presque un tonnerre. Il était dans les 2h30 quand nous avons quitté la cave. Alors, arrivé une trentaine de mètres de la maison, nous avions un poste de défense américaine qui était ici. Alors, arrivé plus loin ici, à droite, nous avions la maison qui brûlait. Donc elle était complètement brûlée, savez-vous, elle était vraiment, je dirais bien, toute rouge, chauffée toute rouge, il n'y avait pas de flamme, il n'y avait pas de flamme. Et vous avanciez comment? Très difficilement, parce que nous avions ma grand-mère qu'il fallait traîner, et mon père et ma mère. Mais j'étais toujours le premier, parce que j'étais plus jeune, n'est-ce pas, j'avais 14 ans à ce temps-là. Alors vous voyez, j'étais assez vite parti. Je me suis couché dans un trou de but, je dirais bien, ici au tournant, alors nous avons vu toute la campagne. Thank you.
pensez vraiment que vous n'en sortiriez pas? Oui, réellement oui. Oui. Parce que ça avait été trop dur dans la cave. Nous ne savions plus respirer, tout était coupé, n'est-ce pas? La voûte descendait. C'était fini, enfin. Pour nous, c'était fini. Nous sommes sortis de la cave pour ne pas être renfermés dans la cave, pour être tués à l'extérieur. Voilà pourquoi nous sommes sortis. Manet, waar een twaalftal huizen stond, zou het zwaar te verduren krijgen. De Duitsers wilden het die kerstnacht veroveren. Er volgden hevige gevechten. De Duitsers stonden nog maar 40 kilometer van Luik. De Amerikanen moesten het kruispunt bij Manet heroveren. In drie dagen heeft de 7e Panzerdivisie er 30.000 granaten op afgeschoten. The attack started sometime after midnight. The fighting was from building to building, one building at a time, moving through the town. Close combat? Very close combat. Hand grenades, bayonets, submachine guns. My weapon at the time was a Thompson submachine gun. And within a few short hours, we managed to repulse the Germans. And before dawn, they counterattacked, but we were able to hold our positions. And I think from that time on, Manet remained in the Allied possession. How did the Germans fight in Manet? Well, they were very, very desperate and determined, but I think our spirit, whatever, we just managed to overpower them. Do you remember seeing them eye to eye in these? Oh, yes, very. It's very difficult. Did you lose many friends in Manet? Yes, very, 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 very many. 13 men from my company was all that survived in, you know, in one piece. And you had started a combat at 100 or? Oh, 115 or 20, yes. It's a very moving experience. The people are terrific. Op 27 december veroverden de Amerikanen die net uitgerust terugkwamen van een verlof aan de Côte d'Azur, Manet op de Duitsers. Manet zou de ware ondergang van de 2e Panzerdivisie van de SS worden. On a dû le colorier comme devoir à la maison. Alors aujourd'hui on a mis bois. Voilà, et madame a mis du papier color. Vous avez mis longtemps pour le faire? Non. Oui, quand même. Non. Parce que avec les étoiles, pour dessiner quand même. Et vous savez pourquoi vous avez fait ça? Oui. Oui. Pourquoi? Pour les Américains. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a eu la guerre. Oui. On a pris un papier. Et puis alors après, on l'a dessiné, puis on l'a découpé, puis on a été chercher un petit bout de bois, puis on l'a collé. Et ça t'a pris beaucoup de temps de le peindre? Oui. Et tu sais pourquoi vous avez fait ça? C'est un drapeau américain, pourquoi? Ça tu sais? C'est quand les Allemands sont passés ici, ben les Américains sont venus nous défendre. Et c'était à quelle époque, tu te rappelles? En 44. En 44, tes parents étaient déjà ici? Mon papa, oui. Il habite à Stoumont. Down there now between the American paratroops and German SS men. That was German gunfire in the distance. And American guns were flying to them. The
Here on the edge of the village are two American TDs, tank destroyers. They are sitting under the trees, watching and waiting for the German tanks to come up the road. Last night, one of them knocked out two German flat guns down in the village. Amongst the trees on both sides of the road here, American paratroops are crouched. Because just where the road bends there, just where it disappears into the mist, the road's under German small arms fire, and they're waiting while a patrol goes down to reconnoiter, which isn't an easy job when you can't see more than 10 yards in front of you. Here comes a jeep making a rush down into the village of Chenot now.